Bon dimanche chez vous. Nous sommes vraiment très reconnaissants devant le Seigneur qui nous a accordé ce grand privilège de venir manger à sa table. Vous voyez, donc la nourriture que le Seigneur a préparée ce dimanche matin, c'est ce qui a fait en sorte que nous puissions vous inviter de venir manger ensemble avec le Seigneur à sa table. Comme nous disons toujours que non, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Voilà. Donc nous aimons cela. Et nous allons retourner encore à Éphésiens chapitre 1 pour parler de la position en Christ, l'adoption. Vous comprenez, c'est ça. Les sommets. Vous comprenez, cela veut dire atteindre la perfection. Donc, voilà la tête de notre pyramide qui est Christ. C'est là où que nous avons parlé pendant si longtemps, beaucoup de dimanches, qu'on était en train d'insister sur la figure pyramidale. Et maintenant, nous avons eu un programme de chaque mercredi ou soit jeudi, mais cette semaine ici, nous allons le faire mercredi, toujours vers 19h30, temps universel. Ouais. Donc, quand vous revenez du travail et tout ça, nous voulons toujours que nous puissions dormir avec cette fraîcheur de la parole bénie du roi. Donc, voilà, pour avoir de bons songes, de rêves et des visions, et toutes ces choses glorieuses que le Seigneur a promis pour nous, tout cela réside dans sa parole. Vous comprenez, comme le livre d'Ésaïe, chapitre 55, si nous aurons le temps, nous allons lire ça ici. Vous comprenez que sa parole ne sort pas sans retourner en lui, que ça puisse accomplir l'objectif dans lequel que le Seigneur a envoyé sa parole. Et maintenant, n'oubliez pas que chaque matin, dimanche, à 9h30, l'heure d'ici, 8h30, l'heure du Congo, temps universel, que nous voulons toujours être à sa table pour commémorer sa résurrection. Alors, nous allons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 13. Nous allons commencer au verset 24. Nous lisons. Et puis, nous allons prendre Genèse, chapitre 1. Et je pense que les autres chapitres, nous allons lire ça en évoluant selon la disposition que le Seigneur nous a accordée ce matin, dans sa miséricorde qu'il a renouvelé pour nous. Voilà. Le seul qui est riche en miséricorde. C'est pourquoi nous voulons lui être agréable. Vous comprenez? N'écoutez pas le diable qui puisse venir te montrer les erreurs de ta frère, de ton frère, de ta soeur, afin de freiner ta marche spirituelle. Vous comprenez? N'écoutez pas le diable qui parle à l'intérieur de toi et qui te montre tes fautes, tes horreurs. Si tu lui écoutes, tu seras incapable de remonter cela et de vivre une vie digne d'un chrétien, d'un fils ou d'une fille de Dieu. La seule chose que vous devez faire est aller humblement sous les sangs dans ce lieu qu'il a choisi, le lieu de Malachie 4. Vous comprenez, ce lieu où il y a la voix du signe de Luc 17 et 30. C'est dans ce lieu que vous entrez spirituellement dans la prière. C'est là où que vous trouverez le sang du roi Christ, parce que ce sont les promesses bénies du jour. C'est là où l'Apocalypse chapitre 10 s'est accompli, Jean 14 et plusieurs écritures, parce qu'il est Hébreux 13 et 8. Vous comprenez, c'est dans ce temple, Hébreux 13 et 8, que vous allez entrer et humilier votre corps, vous comprenez, vos cœurs, et puis répondez-vous sincèrement devant lui. N'écoutez pas les diables, parce que si vous écoutez les diables, sachez que c'est ce qui va s'installer en vous, c'est la peur. Et la peur, quand ça s'installe à quelqu'un, ça crée quoi? Ça crée du complexe. Et cette complexe, ce n'est pas une autre, c'est juste celui de d'infériorité. Vous comprenez? Et cette complexe d'infériorité, quand ça se crée à un être humain, soit en nous, cela crée l'ironie. Vous comprenez? Vous commencez à faire l'ironie sur certaines choses que vous voyez que ceci est comme si, ceci est blanc, vous vous ignorez, vous ne voulez pas tenir compte de ça. Vous comprenez? C'est comme c'est ce que Caïn faisait.
Voilà, jusqu'à tel point que Dieu est venu lui parler, mais il n'a pas écouté la voix de Dieu. Ouais, jusqu'à tel point qu'il a mis sa main sur son frère. Ouais. Et quand l'ironie vient, c'est ce qui crée ce que Caïn avait fait, avec ce complexe qu'il a eu dans son cœur. Vous comprenez? Voilà. Et après l'ironie, vous allez voir que cela crée quoi? Ça va créer la jalousie, et la jalousie, ça aboutit jusqu'à la haine. Ouais. Donc, citons, lisons les Écritures comme nous avons dit, que nous allons lire sur le livre de Matthieu chapitre 13, en commençant au verset 24. Nous lisons. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème une bonne semence dans son champ. 25. Mais pendant que les gens dormaient, voilà, son ennemi vint, s'éma délivré parmi le bleu et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parit au-dessus. Amen. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a livré? 28. Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, verset 29, de peur qu'en arrachant à livrer, vous ne déracinez en même temps le bleu. 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Donc voilà, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler. Mais amassez le bleu dans mon grenier. Tiens, voilà, Katia qui tourne à la taille. Voilà. Que le Seigneur, l'auteur, et cette parole bénie puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de cette parole de Matthieu chapitre 13, dont nous avons commencé à lire au verset 24 jusqu'au verset 30. Nous lisons dans les livres de Genèse chapitre 1, en commençant au verset 9 jusqu'au verset 13. Voilà. Nous lisons. Toujours 13. 13. Oh, c'est un chiffre dont les malins a aimé, l'antichrist, comme nous avons montré les jeudi, soit quand on parlait sur l'égalité. Vous comprenez? Donc, nous allons continuer sur ça. Voilà, donc c'est ça. Voilà, on est là, dans 9. Genèse chapitre 1, nous commençons au verset 9. Lisons ensemble. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. 10. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'air portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant un nœud. Alléluia, leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Alléluia. Est-ce que je peux répéter le verset 11? Parce que c'est ça le verset clé de ce que nous sommes venus parler ici. Quand nous avons lu sur Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, dans le verset clé ici, dans Genèse, dont nous avons pris, vous voyez, dans le début nous aide toujours à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Dans la révélation du jour, comme dit les saints prophètes. Voilà. De Dieu, le messager de Dieu. L'épouse, parole dont nous sommes. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur
semence sur la terre. Alléluia. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure. Amen. Et de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Voilà. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un jour, il y eut un soir, pardon, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alléluia. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous lisons Isaïe 55, verset 11. Rapidement. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui l'Éternel Dieu Créateur, l'Éternel Dieu Vivant, l'Éternel Dieu des armées, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, lui, le donateur de tout don bon spirituel, puisse accorder les riches bénédictions, comme nous l'avons dit, à sa sainte parole bénie. Voilà. Merci pour votre disposition, que nous puissions entourer la table du Seigneur, pour que nous puissions être nourris de la manne révélée du jour. Nous ne parlons plus de la manne cachée. Vous comprenez? Parce que cela a été révélé dans le livre des Sceaux. Alléluia. Nous avons lu ensemble avec vous comme le titre est là. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, ils sont là. C'est comme s'ils rejettent le fardeau vers le Seigneur qui a porté leur fardeau pour le rendre libre. Vous comprenez? Pour vous dire que non, viens, décharge-toi, donne-moi ton fardeau, le fardeau de tes péchés, de tes pensées, de tes raisonnements, de toutes ces choses qui fait en sorte que tu ne puisses pas avoir une bonne progression spirituelle avec le Seigneur. Mais les gens préfèrent encore rejeter, vous comprenez? Donc, ils sont allés encore récolter des mêmes fardeaux là où le Seigneur l'en a jeté, vous comprenez? Prêts à être disparus dans la mer de l'oubli, les gens avancent encore là-bas pour prendre ça et remettre le fardeau vers le Seigneur. C'est comme s'ils condamnent le Seigneur. En quelque sorte, c'est comme s'ils sont en train de faire quoi? De dire au Seigneur, donc cela veut dire en quelque sorte, tu es en train de faire quoi? De crucifier le Seigneur encore de nouveau. Pourquoi j'ai dit cela, que nous sommes en train de faire ça? À cause de quoi? À cause de ce que nous sommes en train de se laisser. Comment est-ce que j'emploie cette expression de se laisser, vous comprenez? Donc ça veut dire, se laisser à qui? Ça veut dire s'abandonner. Vous comprenez? À quelqu'un qui ne vous aime pas, mais vous vous abandonnez à cette personne parce qu'il est venu avec le nom de Jésus. Ouais. Vous comprenez? Alors que le Seigneur lui-même, il a dit que non, beaucoup viendront à mon nom. À mon nom, ils feront des prodiges, des miracles, jusqu'à celui-ci, s'il était possible, même les élites. Matthieu 24, c'est un chapitre clé du verset 20, du verset 15 jusqu'au 25, que chaque chrétien qui veulent avoir une position digne de soi, digne de son père, afin d'être appelé un fils, devait tenir compte de ce que le Seigneur nous en a averti là-bas. Parce que dans verset 25, il a dit, voici, je vous ai averti d'avance. Mais les gens aujourd'hui, nous avons compris que non, ils ne tiennent pas compte de ça. C'est comme si nous nous rejetons, le fardeau vers le Seigneur, nous rejetons la condamnation. Comment est-ce que nous le faisons en disant que non, bon, il est un serviteur de Dieu, c'est la maison de Dieu. Alors que Dieu a dit, dans le dernier jour, se lèvera des faux Christ et des faux rois. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, comment est-ce qu'on pouvait, on ne pouvait pas comprendre que dans la maison là où on invoque le Seigneur, qu'on puisse avoir de faux Christ et de faux oint, alors que le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, Christ veut dire oint. Maintenant, comment est-ce qu'on puisse avoir de faux oint au milieu de nous? Là où nous allons pour commémorer le Seigneur, là où nous allons pour adorer, louer, prier le Seigneur, écouter sa parole. Et quand on aille là-bas,
là où il y a des faux rois et des faux Christ, vous comprenez? Mais ils lisent la Bible. Mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à atteindre ce que nous en avons besoin, la vie Zoé, qui est la vie de Dieu? Vous comprenez, qui est sorti dans le sang de Jésus. Ce jour-là, donc, il est retourné vers nous comme le consolateur pour demeurer en nous. Comment est-ce qu'il ne prend pas plaisir de demeurer en nous? Comment est-ce qu'on se retrouve dans ce lieu d'adoration là où on est censé d'adorer le Seigneur à l'esprit en vérité, comme la promesse nous a été donnée? L'adoration se fait au temps du soir. L'expiation, quand c'est fait au temps du soir, c'est le temps que le Seigneur parlait à la femme. Vous comprenez? Au point que l'heure viendra, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est vers le soir. Vous comprenez? C'est conforme à la promesse de Zacharie 14. Vous comprenez? Donc, cela veut dire vers le chiffre 14, quand c'est accompli après les sept âges d'Israël, les sept des nations. Les sept âges des nations, nous avons cité sur la pyramide, vous avez vu ça. Après les sept, nous avons vu qu'à la fin des sept, c'est 14. C'est vers 14e là que le Seigneur fait son expiation, comme cela a été écrit que s'est passé dans l'Ancien Testament. Vous comprenez, c'était vers le soir que non, un pécheur a mené son sacrifice, vous comprenez, pour adorer et pour qu'il puisse. Pour adorer son Seigneur et puis donner son sacrifice pour l'expiation de ses péchés. Vous comprenez donc, voilà. Mais comment est-ce que cela arrive? Comment est-ce que cela nous est arrivé qu'à ne pas avoir une bonne évolution spirituelle, un bon avancement spirituel dans le lieu céleste? On est toujours ici dans des atmosphères polluées, vous comprenez, avec des péchés, avec ces semences de discorde. Ouais. Dans sa définition, nous allons parler sur sa définition, pardon. En entrant un peu sur un détail sur ça et puis nous allons terminer. Mais retournons un peu, essayons un peu de poser des questions. Parce que quand un homme lui-même ne prend pas son temps d'essayer un peu d'examiner les choses, il n'y arrivera jamais. Parce que vous devez avoir un temps dont vous devez asseoir vous-même, vous poser des questions sur votre avancement spirituel. Vous comprenez? Souvent, c'est ce que nous venons de dire, si nous ouvrons nos oreilles comme la mère est pour écouter les malins. Et chaque fois quand vous ouvrez votre oreille pour écouter les malins, sache que la seule chose que lui, il aime faire, c'est de freiner votre marche comme font des églises dénominationnelles, comme font des credos et des dogmes. Vous comprenez? Parce que là, il y a un système établi. Et ce système-là dépend de leur doctrine. Alors, beaucoup de doctrines viennent de l'enfer, comme ce système qui a été établi par les malins, quand il a pris la prééminence des églises dénominationnelles, de toutes ces églises déchues qui dépendent de la mère prostituée. Parce qu'ils ont fait la prostitution spirituelle par l'infidélité devant le roi, l'auteur de cette parole, en interprétant mal sa parole. Voilà la prostitution dont la Bible parle, vous comprenez. Et nous faisons peut-être partie de cette prostitution sans tenir compte à cause de quoi nous écoutons les hommes à la place de Dieu. Même si nous avons remarqué qu'un homme, dont nous avons vu qu'il a bien commencé avec le Seigneur, il avait bien commencé avec cette Bible, en public, dans l'église, dans l'amphithéâtre, ainsi de suite. Mais après un certain temps, vous voyez vraiment que non, cet homme ici s'est égaré. Vous comprenez donc qu'il n'est plus dans l'étroite, resserrer les chemins. Vous comprenez? Il est dans l'espace. Alors, dans l'espace, là où on permet presque tout. Alors qu'on peut, tout est utile, nous trouvons pas important de le faire. Vous comprenez? Donc, vous devez examiner chaque chose. Mais là, venons ici à examiner pourquoi est-ce que le Seigneur, lui, l'auteur de la parole, le créateur des cieux et de la terre, il parlait de cette semence de discorde, l'ivraie et l'hébreu dans le même champ. Vous voyez? Pourquoi ça? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi avoir de faux Christ et de faux oints? Alors que quand on parle de Christ, cela veut dire que c'est de quelqu'un qui a reçu la véritable onction du Saint-Esprit qui vient de Dieu. Alors comment est-ce qu'il peut encore être un faux Christ et un faux oint?
Vous comprenez? Retournons sur les Écritures. Dieu a donné sa promesse, parce que nous sommes toujours dans les Écritures. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. L'Éternel Dieu a donné sa promesse. Nous avons vu le prophète Joël, il est là, il est devant nous ici, vous comprenez? Parce que quand nous nous parlons des prophètes, nous ne parlons pas des gens qui sont morts. Nous ne parlons pas des morts, parce qu'ils n'ont pas servi un Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Vous comprenez? Vous savez, quand on cite Ésaïe, il est ici. Quand on cite Jérémie, il est juste à ma côté. Quand on cite Moïse, il est devant moi. Quand je cite Branham, il est là. Vous comprenez? Il est juste ici. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, ici, quand on vient dans les célestes en Christ, pour savourer des bénédictions qu'il a mis à notre disposition, tous les saints sont ici. Ce qui nous empêche pour ne pas les... Vous allez comprendre ça quand nous allons parler sur l'invisibilité qui sauve des âmes. Vous comprenez? Vous allez comprendre que non, si vous avez cette manière de voir les choses, cela veut dire que vous avez une bonne perspective qui change votre perception afin d'atteindre la perfection. Si vous avez commencé avec une bonne persévérance, mais beaucoup de gens, ils persévèrent, mais dans le mal. Comme on dit en anglais, on wrong way. Vous comprenez? Vous êtes en train de persévérer, mais dans d'une mauvaise manière. Donc, vous ne le faites pas comme il faut, comme cela nous a été recommandé. Voilà les problèmes que nous avons. Le Seigneur a donné sa promesse. Le prophète Joël est ici. Voilà. Laisse-moi parler à sa place. Vous voyez? Donc, ça veut dire... Il a dit que nous, dans le dernier jour du Dieu, je répandrai de mon esprit à toute chair. Ouais. Frère Branham est venu, il a dit que non. C'était dans un même champ, comme le Seigneur Jésus disait. Il y avait livré et les blés. Nous venons de les lire ici. Vous comprenez? Et tous, ils étaient là, le soleil les a frappés. Ils étaient exténués, fatigués, lassés. Vous comprenez? Il se sentait abandonné. Comme la prière exaucée de plusieurs esprits qui étaient dans cet homme qu'on appelait les gens. Voilà. Et ils étaient là quand ils ont vu le Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Vous comprenez? Il s'avançait vers lui. Cet homme-là, il restait toujours dans des cimetières. Parce qu'il avait plusieurs mauvais esprits. Quand il est là où il y avait des gens, donc il faisait des dégâts. Il était toujours enchaîné et il restait là. Et quand le Seigneur est passé par là, et les démons ont commencé. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils interprètent ça dans des églises aujourd'hui. Vous comprenez? Je vous ai dit donc, ils imitent ça. Vous comprenez? Et puis comme les gens aiment quelque chose qui attire des... qui soulève des chairs de poule, qui voient, donc cela veut dire ils aiment quelque chose qui attire les regards. Alors que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. Comme les gens aiment ça, c'est pourquoi ils sont bornés sur ces histoires-là et ça freine leur marche. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. La sémence des discords. Alors, nous avons vu que non, les démons commencent à faire comme nous voyons dans les églises, ce que les prophètes, les pasteurs et ainsi de suite, ce qu'ils font. Ouais, vous lisez de la parole d'abord et après ces choses-là, non. Vous allez voir que non, il prend un chapitre comme ça et puis il commence à parler sur le ministre of prophecy, aussi what, et les autres, ils commençaient. Bon, on n'est pas. Avançons. Alors, nous avons vu que les démons ont supplié le Seigneur. Vous comprenez? Notre heure n'est pas encore venue. Les démons reconnaissent l'écriture de Dieu. La marche de la rédemption. Vous comprenez? Les démons connaissent les trois étapes de la grâce. Les démons connaissent les trois venues du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous qui prétendons être des chrétiens, l'épouse du Christ, parce que quand je parle de l'épouse du Christ, l'épouse aujourd'hui, quelqu'un qui a une expérience personnelle avec Christ, comme nous avons parlé de ça, il y a un dimanche qui est passé. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est devenu indépendant. C'est ce que nous venons faire aux gens ici.
C'est la raison pour laquelle que nous venons ici en ligne, pour que vous puissiez être indépendant. L'épouse du Christ aujourd'hui, c'est quelqu'un qui devait rester écouter la voix de Dieu. Parce qu'il est posé spirituellement. Il n'a aucune peur. Vous comprenez? Et ceux qui n'ont pas encore mis, ils devaient se disposer à ce que nous vous parlons ici, sans argent, sans rien payer, afin que vous puissiez prendre une bonne position d'être adopté en Christ, de retrouver votre place dans ces livres de propriété incontestable dont Adam avait et les malins venus arracher, mais il n'a pas pu atteindre. Cela parce que le livre a été retiré de la main d'Adam. Vous comprenez? Était retourné à la main du propriétaire incontestable. Et voilà. Donc nous allons parler de ça. Et Christ est venu avec ses livres. Voilà. Et nous avons vu que beaucoup de gens, ils restent bornés sur ces choses-là. Alors que les démons ont reconnu et se sont répandus afin que leur prière puisse être exaucée. Ils n'ont pas dit répandu, donc ça veut dire ils ont supplié dans les messieurs. Le Seigneur, afin que leur prière puisse être exaucée. Et le Seigneur les a exaucés parce que le Seigneur, il est esclave de sa propre parole, de lui-même. Mais il sait que non, son jugement, le châtiment de son jugement est dur. Vous comprenez? Alors que non, il a fait ce qu'ils l'ont demandé. Pourquoi? Parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Ouais. Et nous avons vu que non, les gens préfèrent de rester sur ces choses au lieu d'avancer. Vous comprenez, de voir que non, ces choses ici sont accompagnées avec des signes initiales. Et ce que nous allons faire aussi accent en parlant ici. Nous ne sommes pas loin. Permettez-moi. Voilà. Et nous avons vu que le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit à toute chair. Et quand il disait cela, ouais, donc ça veut dire, libre et les vrais, et le bleu, ils étaient et tous dans un même champ. Et quand ils se retrouvaient et tous dans ce même champ, ils pleuraient. Celui qui devait envoyer. Vous comprenez, comme nous venons de donner l'exemple de cet homme qui possédait beaucoup de dons. Celui qui devait envoyer la pluie, c'était le Créateur. Ouais. Et Dieu a envoyé la pluie de l'abondance qu'il a promis au travers de son prophète présent ici, Joël. Vous comprenez, Joël 2:28. Ça, si vous voulez que je vous donne la référence. Et quand cette onction descend, le problème c'est où? C'est là où que la personne a son socle. Voilà. Pour ceux qui sont, selon ce que nous avons lu ici, ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 13 et dans Genèse chapitre 1er, verset 9 à 13. Ceux qui sont sortis de Dieu, cela veut dire les élus, et ils reçoivent cette onction-là au niveau de leur âme. Parce que dans leur âme, il n'y a qu'une seule vertu, qui est la foi. Il n'y a pas de doute. Et les autres l'en ont reçu au niveau de l'esprit. Alors qu'au niveau de l'esprit, nous avons dit que dans l'esprit, il y a cinq sens. Nous avons parlé sur l'imagination, l'émotion, ouais, donc toutes ces choses-là qui compose les cinq sens de l'esprit. Et quand ça descend au niveau de l'esprit, cette onction, ça fait de lui un faux Christ, un faux ouin. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se tenir dans la parole. Ouais. Donc, vous allez comprendre, donc vous allez voir que non, il peut commencer un réveil, il peut commencer une œuvre de Dieu, comme un cahier, avec un bon esprit. Ouais. Son objectif, c'était quoi? De construire un temple pour le Seigneur, de rassembler les gens pour adorer le Seigneur. Mais vous allez voir que non, le but caché à l'intérieur de cet homme-là ne va pas concorder aux Écritures à cause de quoi? À cause de ce qu'il est intérieurement, il est faux. Vous voyez? Et l'onction véritable de Dieu qu'il a répandue dans sa miséricorde à toutes les créatures qui se trouvaient dans les champs, la terre, vous comprenez? Tous les humains, le Seigneur dans sa bonté a béni. Si vous lisez la Bible, dans Psaume 65, David l'a dit. Vous comprenez? Si vous lisez dans Psaume 107, là vers la fin, vous allez voir. Vous comprenez? Quand il bénit ça. Donc, quand c'est pas vers l'abondance. La Bible l'a dit ici. On ne peut pas tout lire. Mais
Nous allons tout lire si le Seigneur nous donne aussi la disposition. Voilà. Avançons. Et nous avons vu que cette onction, quand on s'en descend, ça veut dire quand cet homme est un hypocrite. Voilà ce que nous sommes en train de parler ici. Pourquoi nous insistons sur l'hypocrisie? Parce que quelqu'un qui est un hypocrite, ils ne veulent pas changer sa nature. C'est pourquoi Frère Branham disait que je m'aimerais vivre avec un soulard qu'un hypocrite. Vous pouvez lui dire des choses du matin jusqu'au soir. Il vous dit Amen. Il sourit et il vous dit pardonne-moi. Le lendemain, il répète les mêmes histoires. Cela veut dire qu'à l'intérieur de lui, il est fou. Et l'onction qu'il vient avec devant vous pour vous parler de cette parole ici, il peut avoir la connaissance de la révélation du jour. Vous comprenez? Il peut comprendre les choses selon la lettre qui nous est lue aujourd'hui par les messagers, prophètes. Vous comprenez? Il peut être là-bas, lire cette lettre convenablement. Pour émouver les gens, vous comprenez? Citer l'entendement des gens, vous comprenez? Leur intellect, ainsi de suite. Mais à la fin, il serait incapable de communiquer la vie. Vous voyez les problèmes que nous avons. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ses œuvres à lui, si vous comparez cela avec la parole, ça ne donne pas une même identification. L'identification est différente. Vous comprenez? Parce que quand, prenez l'exemple, bon, je ne voulais pas prendre l'exemple des présidents africains parce que c'est vraiment ça l'exemple qu'on devait prendre. Vous comprenez, par rapport aux autres qui sont en Europe ou en Amérique, mais comprenez déjà ce que je voulais pas. Voilà. Donc cela veut dire, vous allez voir que cet homme qui se tient là-bas avec la connaissance de la parole, peut-être la révélation du jour, mais il n'arrive pas à communiquer la vie. Ouais. Donc cela veut dire, s'il vient, il parle des choses révélatives, 10 jours, j'ai dit bien 10 jours, ils sont là. Mais après, vous allez voir que non, les gens n'arrivent pas toujours à atteindre la perfection. Alors le rôle d'un Éphésiens 4, comme nous avons lu ici, vous comprenez le livre d'Éphésiens chapitre 4, sur les 5 ministères que le Seigneur a donné pour l'œuvre, l'édification de saints, pour que les gens puissent atteindre la perfection. Vous allez voir que beaucoup aujourd'hui n'y arrivent pas à amener les gens là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Parce que en eux, ils sont faux. Pourquoi ils sont faux alors qu'ils sont des vrais ou ils ont des moins? Donc ils ont réussi une vraie onction, c'est ce que je voulais dire. Vous comprenez? Donc ce sont des faux, ouais, mais ils ont réussi une vraie onction. Cette onction promise par Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrive pas à amener les gens? Mais si vous restez aussi pendant longtemps avec lui, ou soit dans cet ensemble, ou dans ce tabernacle, ou dans cet amphithéâtre, ainsi de suite, vous allez voir du jour au lendemain, une semence de discorde commence à croître. Vous comprenez? Alors que si nous parlons de cette semence de discorde, vous allez voir que non, c'est comme quelqu'un qui fait des choses contraires à ce qui devait être. Quelqu'un qui fait des choses différemment. Vous comprenez? Quelqu'un qui s'éloigne de la volonté de Dieu, mais en prétend venir témoigner ou soit montrer aux gens qui servent Dieu. Vous allez voir qu'ils sont vraiment accompagnés avec des miracles et des prodiges qui attirent la foule. Vous comprenez? Comme nous avons parlé autrefois ici. Donc ça veut dire, on peut jeter le filet. C'est ça, c'est ce que le Seigneur permet. Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a promis. Oui, parce que sa parole ne peut pas sortir sans pour longtemps accomplir le but, l'objectif qu'il a prononcé cette parole. Oui, mais quand on tire les filets, vous allez voir qu'il y a plusieurs espèces, comme la Bible l'a dit ici. Oui, des créatures, vous allez voir tant de créatures qui vont apparaître dans les filets. Mais ne chassez personne. Le Seigneur l'en a dit ici. Oui, c'est ce que les églises font. Ils ne chassent pas aussi les gens. Peut-être les autres le font parce que quand ils voient que non, vous commencez à toucher à ses intérêts,
Là, il va prendre ses dispositions pour voir comment est-ce qu'il va vous chasser. Ouais. Et puis, il commence à parler mal de vous en interprétant ainsi de suite pour un culminant de paroles qui sont vraiment déplacées, à vous disqualifier ainsi de suite. Nous avons dit que non. Même le Seigneur n'a pas chassé les gens. Après avoir multiplié le pain et les poissons, beaucoup de gens ils ont appelé encore plusieurs gens, comme les gens appellent les gens aujourd'hui, pour aller à l'église sans pour autant faire les choix d'un pasteur, les choix d'une épouse, les choix d'une église. C'est par la prière, vous comprenez. Et ils sont allés encore plus nombreux quand le Seigneur les a regardés, les noms. Ils sont venus pour le pain et du poisson d'hier. Ils savent qu'après avoir écouté, ils vont encore avoir ça, comme les gens aillent à l'église aujourd'hui pour des miracles et des prodiges. Ils ne tiennent pas compte de leur âme. Ils ne se demandent pas jusqu'aujourd'hui quelle position que j'ai à moi-même. Qu'est-ce que j'ai déjà obtenu? Vous comprenez? C'est cette question que nous vous avons posée. Nous nous posons les uns les autres. Vous comprenez? Et le Seigneur, le lendemain, leur a dit, si vous ne mangez pas, ça veut dire, la prédication doit changer. Vous ne pouvez pas rester là-bas à parler des mêmes choses, non. On ne peut pas rester là-bas toujours à essayer d'attirer la foule par des parlants en langue et toutes ces choses-là qui font des chiens des poules. Non. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'abord, le parlant en langue spirituellement, ce sont des choses, c'est des choses initiales. La parlant en langue, c'est la première d'abord qui est le plus bas. Donc oui, ça peut être assez que les gagnants, c'est un des colombes voici. C'est les parlants là. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il a dit que non, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est une langue de mort. Vous comprenez, c'est pour les non-croyants. Il est allé un peu plus loin et dit c'est pour les non-croyants. Mais les gens aujourd'hui sont restés bornés sur ça. Alors que ce sont des choses initiales, la première initiale, le plus bas. C'est des parlants. Et vous allez voir que non, les gens sont toujours, si ça n'avance pas spirituellement, alors que le Seigneur lui-même, il a dit ça. Si vous ne mangez pas mon corps, le corps, c'est ce que nous sommes venus parler ici. Ouais. Et le Seigneur nous a laissés comme ça dans les champs. Livrés sont là et les blés sont là, dans les mêmes églises, dans les mêmes assemblées, dans les mêmes tabernacles. Est-ce que vous comprenez? On est tous là. Mais nous venons pour vous avertir. C'est dans les dispositions que le Seigneur nous donne. Vous comprenez? Pour vous poser cette question, avez-vous déjà? Parce que c'est à vous que revient la décision. C'est à vous de prendre le temps d'examiner les choses spirituellement. N'écoutez pas d'abord les diables qui viennent toujours vous accuser. Vous comprenez? Vous dire une sorte... Par vous pousser à regarder la vie de l'autre, ou soit d'un serviteur de Dieu, afin de ne pas avoir un bon avancement spirituel, selon la parole. Si vous restez regardé sur la vie de cette personne-là, au lieu de regarder sur ce qui est la parole, et de prier pour cette personne-là, c'est ça l'amour. Parce que c'est cette force-là qui fera en sorte que non, et toi, et ses serviteurs, vous puissiez vaincre les malins qui viennent pour s'aimer. Des isanies, c'est ça aussi la définition de discorde. Vous comprenez? C'est leur anglais. Ouais. Vous comprenez? Donc, je voulais parler quelque chose de l'anglais, c'est pourquoi j'ai mis une pause. Ouais. Donc, c'est mettre de la confusion, de la zizanie, tordre le sens des Écritures. Ouais. Et vous restez là dans le champ, c'est quitte à vous de prendre la position parce que le Seigneur vous a donné l'intelligence. La sagesse, si vous lui demandez un bon esprit de discernement, c'est lui le donateur de tout don bon spirituel. Parce que si vous êtes fort spirituellement, c'est à ce moment-là que vous aurez la prééminence et l'autorité de dominer aussi. Vous comprenez? Mais si vous rejetez cela, cela veut dire que là, c'est comme les autres le disent. Ils font quoi? Ils retournent la faute à qui? À Adam. Alors qu'aujourd'hui, avec l'esprit, le prix d'expiation qui a été péché, alors que nous avons eu avec nous un parent d'âme digne de soi,
comme le livre de Lévitique le disait. Lisez Lévitique chapitre 25. Vous comprenez? Et vous vous rejetez encore là-bas vers Adam. Non? Ce que Adam avait fait, c'est ce que le mauvais est venu, comme le Seigneur parle ici. Vous comprenez dans Matthieu chapitre 13. Que pendant la nuit, son serviteur posait la question au maître du champ. Il a dit que non, on n'avait pas mis à un nom. Pendant la nuit, les malins étaient venus. Le Seigneur savait. Vous comprenez? Mais il sait que ceux qui sont de lui, ceux dont nous sommes venus vous avertir ici. Nous venons avec les avertissements du Seigneur. À nous y arriver. Nous aussi, nous voulons que nous, ensemble, nous puissions nous tenir les mains. Quel que soit le pays, le continent où vous vous trouvez. En esprit, nous sommes un parce que nous ne sommes pas des membres des églises, mais chaque serviteur de Dieu, chaque Éphésiens 4 qui est vraiment un auxiliaire du prophète et majeur, son rôle, il va faire comme le prophète. Quoi? D'amener les gens dans l'école mystique de Christ. C'est ça. C'est là où il y a la perfection. Non, les garder avec ta connaissance. Non. Avec ton intellect. Avec tout ce que tu as lu dans les universités, avec la connaissance que tu as lu, eu dans les affaires messemans, avec tout ce que tu as eu, avec des brochures, ainsi de suite. Non. Avec tout ce que tu as comme connaissance, des brochures que tu as lues, des saints prophètes et tout, tu as écouté sur la voix de Dieu, c'est d'amener les gens aussi d'être comme toi, d'être capable d'avoir cette capacité spirituelle. Vous comprenez? De rester elle-même comme ça et écouter la voix de Dieu. De rester elle-même de lire et de comprendre ces choses. Là où nous aurons des difficultés, nous ferons comme. Il est écrit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 14. Vous comprenez? De s'édifier comme des enfants des prophètes. Ouais. Donc c'est ça. Mais nous avons remarqué que non, les gens aujourd'hui, ils veulent rejeter, vous comprenez, la balle ou le fardeau vers celui qui a payé. Comme Adam qui avait fait au commencement. Vous comprenez? Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Tu as mangé des fruits, de l'arbre qui t'avait interdit de ne pas manger. Voilà ce que nous avons dit ici. Vous comprenez? Que chaque semence se produit selon son espèce. Et nous avons vu que le Seigneur, qui est le Dieu, le grand esprit éternel, quand il créa Lucifer, il savait ce qu'il allait. Ouais, c'est pourquoi nous avons pris avec vous, Matthieu chapitre 13, que le Seigneur dit, quand son serviteur dit non, arrachons le livret là du nord. Si nous faisons cela, le livret détruira le bleu, peut-être. Parce qu'ils sont dans un même champ. Laisse-le pousser. Mais toi, comment est-ce que tu pousses-tu? Posons-nous des questions. Tu n'observes pas l'ivraie qui est juste à côté de toi, la discorde qu'il est tenté de s'aimer, des isanies, la confusion, ce qu'il est en train de faire de tort dans le sens des écritures. Toi, ça, tu t'examines rien. Donc, cela veut dire tu ne vois pas qu'il est faux en soi. Et toi aussi, bien, cela veut dire tu es aussi faux. En soi. Mais si vous êtes une semence de Dieu, si vous prétendez aimer Jésus-Christ parce qu'il vous a aimé, il a donné sa vie, alors vous devez prendre les positions pour lui. C'est ce que nous venons de dire ici. Ouais. Adam a rejeté qui? Donc ça veut dire c'est comme quelqu'un qui rejette le sort à son créateur, à celui qui a donné la femme. Alors qu'il était très content quand sa femme était sortie de lui dans la formation. Et il a vu Ève, avec toute cette beauté splendissante. Il a dit, voici cette fois-ci. Il a dit, voici cette fois-ci. Vous comprenez? Mais, ces jours-là, il y a la femme que tu m'as donnée. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour vous poser cette question. C'est ce que les gens font aujourd'hui. La femme que tu qui a mise auprès de moi. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donnée. Mais alors que c'est lui qui avait ce titre de propriété incontestable, remarquez si nous lisons là-bas, quand Dieu a formé dans la création, il a tout donné à son fils.
Il avait la prééminence, il avait l'autorité de refuser, de dire non. Vous comprenez? Comme nous avons chanté ça, le premier Adam écoutait sa famille. Il n'a pas écouté la voix de Dieu, il était censé, vous comprenez, de blâmer sa femme et d'implorer peut-être le Seigneur pour sa femme. Mais il a directement écouté sa femme comme l'Église font aujourd'hui, ils écoutent la bête. Et la bête a introduit sa marque dans l'église. Et nous avons vu que les serviteurs qui ont bien commencé avec le Seigneur, en commençant l'œuvre du Seigneur, qui ont grandi avec les anciens, ils ont abandonné les chemins des anciens. Et tous, ils sont allés faire l'alliance avec la mort. Ésaïe chapitre 27. Et ils ont fait le pacte avec le séjour des morts. La mort a pris place dans l'église. Vous comprenez? La semence des discordes. Voilà où nous en sommes. Voilà l'état spirituel de l'Église aujourd'hui. Les hommes se sont retournés là-bas et ils commencent l'un à l'autre à se dire comme Adam, la femme que tu as mise auprès de moi, la femme que tu m'as donnée, les pasteurs que tu nous as donnés. Vous comprenez? Les chemins de l'Église que j'ai empruntés en te servant ici, dans l'église Intel, dans notre congrégation Intel, on nous a dit de faire ceci, si pas, on va me chasser. Je ne serai plus serviteur ici, je ne serai plus pasteur ici, je ne serai plus berger ici, je ne serai plus évangéliste ici, je ne serai plus bishop ici. C'est ici qu'on m'a élevé jusqu'à tel point que je suis devenu ceci. Et ce qu'on me dit de faire aujourd'hui, si je l'abandonne, on va me mettre dehors. Si mon église ne s'accorde pas avec d'autres églises là-bas qu'on est tenté, on se réunisse, nous les pasteurs, en disant, nous formons, nous appelons ça corps du Christ. Là où les pasteurs se réunissent, ils appellent ça corps du Christ. Les membres du corps du Christ sont les pasteurs, les évangélistes et tout ça. Ils sont là-bas. Vous comprenez? Mais si vous faites des choses qui sont contraires à ce qu'on vous dise dans les corps du Christ, on vous chasse. Vous ne savez pas, on commence à combattre votre église. J'aimerais à ce que même cette église puisse être fermée. Que les gens comprennent que non, je n'ai pas pu voulu faire la compromis avec la parole. Parce qu'il y a d'autres choses que vous le faites en disant simplement un petit oui, vous avez déjà la marque avec vous. Vous avez déjà fait l'alliance avec la mort et le pacte avec le séjour des morts dans votre main et ça est là sur votre front. Et quand vous vous tenez derrière la chaîne, vous n'allez rien autre communiquer. Vous allez communiquer, transmettre. Vous comprenez? Aux gens, aux brebis qui viennent là-bas, ce que vous avez. C'est pourquoi le Seigneur nous en avertit. Il s'élèvera de faux Christ et de faux oints. Ils feront des prodiges et des miracles jusqu'à séduire, s'il était possible, même le jeune. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'examinent rien. Et ils sont là en faisant comme Adam. Vous comprenez? Alors que le Seigneur, qui savait toutes choses, il avait déjà averti Adam. Adam, mon fils, je t'ai tout donné. Là, Adam ne pouvait pas struggle, comme on dit ça en anglais, ça veut dire souffrir, se démener, ainsi de suite. Non. Il avait la première, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. C'est ce que Christ est venu faire pour que nous puissions retourner là-bas. Frère Adam a dit. Nous devons, c'est le retour en Éden après l'ouverture des sous. C'est le retour en Éden. Vous comprenez? Dans ce jardin qui a été retiré et Adam est resté en Éden, dessus, il cabote, dépourvu. Voilà. Là où il y a des zizanies. Je dis bien, il y a des zizanies. Il y a des discordes, des troubles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pourquoi? Parce que le livre de vie a été retiré. Le titre propriété incontestable s'est retourné dans la main de celui qui a créé cieux et la terre. Mais vers le soir ici, il a remis les livres encore. Nous avons lu ça avant l'ouverture des sceaux dans Apocalypse chapitre 5. Vous comprenez? Il a pris les livres scellés. Et dans Apocalypse chapitre 10, il descendait. Lisez là-bas, j'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel. Vous comprenez, enveloppé d'une nuée.
Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Vous comprenez? Et tout ce qui était scellé dans le livre et au dos du livre a été révélé. Pour retourner où? De retour en Éden. De nouveau. Vous comprenez? Là où les élites doivent être en ce moment-ci. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de parler ici? Et le malin, quand il a observé Adam, il a dit que non, je termine déjà. Il y a beaucoup à dire, mais le temps. Le malin, quand il a observé Adam, le fils de Dieu, avec tout ce qu'il avait comme prééminence, il a dit non, c'est ici que je vais. Par quel moyen? C'est au moyen de l'Église. C'est ce que nous venons de dire ici. Quand le Seigneur parle du champ, la semence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Là aussi, on va parler de ça. C'est là qu'on va prendre Luc chapitre 11. Voilà. Alors, nous allons prendre ça le dimanche prochain. Parce qu'on ne peut pas arrêter avec la semence des discours simplement comme ça. Non, il faut qu'on puisse continuer à parler. On va parler de ça. Voilà. Et se poser encore d'autres questions. Nous avons vu que le Seigneur lui-même parle ici d'un champ. Champ, c'est la terre. La terre, c'est des églises. Vous comprenez? Le monde que l'apôtre Pierre parle dans 2 Pierre, dans chapitre 3, que le Seigneur détruira. Le Seigneur ne détruira pas la terre. Détruira le monde. Parce que le monde ici, que le Seigneur parle dans Jean 14, qu'il était... ne me verront plus, mais vous me verrez. Le système cosmique que le malin a commencé tout au début ici, en venant mal interpréter l'écriture, en sémant des zizanies, la confusion, du trouble, dans un couple qui était calme, dans une église qui respectait son chef, son Christ, Adam. Et l'église a ouvert son oreille. Elle va écouter. Après avoir écouté, le malin lui a fait goûter des fruits que le Seigneur a interdits, qui se trouvaient dans cet arbre. Ève, vous voyez, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu que l'homme, quand il est venu, c'est lui qui avait la prééminence dont le diable avait besoin. Ce n'était pas Ève. Vous comprenez? Et le premier Adam a écouté l'Église, qui est influencé par les malins, comme le monde est influencé par le diable. Vous comprenez? Le monde est influencé aujourd'hui par des loges. Personne ne peut vous dévier. Les gens des loges sont entrés, ils nous regardent, voilà. Mieux vaut que je puisse être dans cette position en prière le Seigneur, sincèrement dans mon cœur, parce que j'ai déjà fait l'alliance ici, qui est d'être comme ces gens-là qui font l'ironie, qui sont des hypocrites. Et au milieu d'eux, qu'est-ce qui se crée? La haine. Ils se combattent les uns les autres. Nous avons entendu aujourd'hui comment ça s'entretient même par des poisons. Ainsi de suite. Vous comprenez? On a les courses d'argent et toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui. Vous voyez, donc cela veut dire dès Timothée chapitre 3. Voilà. Comme Jeannès et Jambres combattaient Moïse, l'histoire très souvent, elle se répète. La semence des discordes. S'aimer la zizanie. Vous comprenez? À l'absence du roi. Quand le roi a donné sa vie à la croix. Vous comprenez? Dans ce temps-là, il allait là-bas pour prendre les clés dans la main du mal. Pour aller faire sortir les saints autrefois qui ont resté avec la parole. Bien qu'ils étaient dans des sangs des animaux, il fallait que les seigneurs rois puissent descendre là-bas et leur prendre. Vous comprenez? Et dire aux gens qu'ils étaient incrédules autrefois au temps de Noé. Vous comprenez? Qu'ils puissent se repentir. Parce qu'ils n'écoutaient pas Noé comme les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Les gens sont incrédules, c'est ce que nous venons de leur dire. Quand nous mettons notre petite voile quelques minutes après, lui il parle beaucoup. Ah, lui là-bas il est de ceci. Lui là-bas, non, je ne suis de rien, je suis que du Christ.
Vous comprenez? Nous ne sommes que des Christ. Oui. Si vous nous regardez de là, si vous nous regardez là-bas, vous ferez votre propre marche spirituelle. Vous comprenez? Votre propre marche spirituelle, j'ai dit bien. Et nous avons vu que Adam, il avait cette capacité en lui parce qu'il était seigneur de la terre. Mais il s'est permis d'écouter sa femme qui était déjà dessus, suyée par le diable, par les malins. Et il savait ce qui s'était passé. C'est ce qui nous arrive souvent. Mais au lieu d'aller entrer dans sa chambre, se repentir, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas faire retomber la faute à Adam. Non, ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas aussi rejeter le fardeau ou dire quoi, non, Seigneur, non. Ouais, souvenez-vous de cette parabole des semences que nous allons lire le dimanche prochain. C'est que le Seigneur est donné. À celui qu'on a donné ici, à l'autre qu'on a donné, c'est ceux qui ont multiplié ce qu'il est. Vous comprenez? Et Christ est venu, il a payé le prix. Le livre est retourné dans sa main. Et il est descendu avec ce livre et il a donné ça à son prophète. Afin que nous puissions retrouver le nom là-bas. Quand il reste là, toujours. Comme quelqu'un qui est enfermé, mais qui a le droit de sortir. Parce que le roi est venu, il a ouvert ce qui était au-dessus de toi. Il a dit, bat tes ailes. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament pour retrouver dans le troisième le socle de ton âme. Pour recevoir Zoé, l'Esprit de Dieu. Mais les gens sont restés bornés eux-mêmes. Eux-mêmes. Vous comprenez? Et vous êtes devenus des adorateurs, des idoles, des hommes qui ont des succès et ils tirent l'origine de leur popularité dans cette pyramide que nous allons continuer les mercredis soirs. Que le Seigneur nous donne la disposition. Vous comprenez? Nous allons continuer ça le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà fait hier. Vous comprenez? Que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous. Qu'il nous accompagne, que le Seigneur nous garde et nous protège dans sa miséricorde. Nous sommes si déjà beaucoup, mais que nous puissions nous attacher à sa parole parce que la seule protection divine, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez la compréhension nette et claire des Écritures, vous avancez pour recevoir Zoé. Vous comprenez? Quand vous avez la connaissance exacte de ce que nous venons vous dire ici, sachez-là que le malin s'éloignera plus loin de vous. Toutes les pièces des ennemis seront nulles sans effet à cause de la parole, parce que tout ce que les créatures spirituelles, physiques viendront dans toutes leurs formes, vous comprenez, pour vous anéantir, ils vont rencontrer la parole. Tous vos péchés, iniquités, transgressions, fautes, erreurs seront sous le sang, la parole. Et quand quelque chose est sous le sang, ça va disparaître. Mais si vous restez là, vous dites que non, vous rejetez la faute au Seigneur parce que vous avez entendu c'est un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Vous faites retomber cette condamnation. C'est comme si vous êtes en train de crucifier le Seigneur comme eux, ils ont fait. Sachez-là que non, c'est là que vous retournez et ça vous tue vous-même. Parce que vous avez le libre arbitre de faire le choix d'abandonner ou de continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons continuer sur ce qui sème des troubles, des zizanies, vous comprenez, des confusions dans le monde d'aujourd'hui, le monde spirituel, le monde ecclésiastique. Nous vous aimons tous, serviteurs, enfants de Dieu, fils de Dieu. Que Dieu bénisse surtout les enfants. Nous insistons toujours. Le temps est tellement pollué. À mercredi, 19h30, nous allons continuer sur ce qu'on avait commencé à parler. Et puis nous allons évoluer sur beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom.